Voyons à présent l'exercice des crunchs en position statique. Donc des crunchs à ne pas confondre avec la tablette de chocolat. Je ne sais même pas si ça en existe encore. Alors, on va chercher à se mettre donc sur le dos. Ici, on va poser la tête et les épaules. On va chercher à amener les jambes à 90 degrés. D'accord ? Genoux au-dessus de la hanche. Tu vas garder les chevilles et les pieds décollés et les jambes donc sont en position 90 degrés. Ici, on va chercher à croiser, d'accord, au niveau des bras, les mains tu les amènes au niveau de la ligne des épaules et tu vas chercher à décoller la tête, décoller le haut des épaules. Les coudes sont en direction des genoux, d'accord, et tu vas chercher à garder cette contraction au niveau de ton ventre, ce qui va te permettre justement de chercher à engager tes abdominaux. Donc même chose, tu stabilises, tu essayes de vraiment te détendre parce que souvent on a des tensions au niveau des cervicales, c'est souvent parce qu'on veut se crisper et on cherche à lever les épaules, cherche à détendre les épaules, à relâcher les muscles du cou et à maintenir la tension simplement avec le travail des abdos. D'accord ? Pas d'option, d'accord ? L'idée c'est de tenir le plus longtemps possible. Le petit challenge éventuellement, ce que tu peux faire, c'est de mettre un chrono. Et l'idée dans cette position, c'est de pouvoir tenir minimum 2 minutes, d'accord, sans relâcher les épaules et la tête. Donc voilà, le petit challenge est lancé, tu peux tester.